malgré que je sois un roturier et le dernier des fils d'un poirier de la rue Berthe. Depuis les temps les plus anciens, nous habitons, moi et les miens, à Montmerte. En 1870, mon papa cadorait le 3-6 et la verte est mort à 47 ans, ce qui fait qu'il repose depuis longtemps à Montmerte. Deux ou trois ans après, je fis ce qui peut s'appeler pour un bon fils une rude perte. Un soir sur le boulevard Rochechouart, ma pauvre maman se laisse échoir à Montmerte. Je ne suis pas trop heureux depuis, j'ai bien souvent passé mes nuits sans couverte, et bien souvent quand j'avais faim, j'ai pas toujours mangé du pain à Montmerte. Mais on était chouette en ce temps-là, on ne sacrait que et pas sur la butte déserte, et je faisais la cour à Nini, Nini qui voulait faire son nid à Montmerte. Un soir d'automne à ce qui paraît, pendant que la vieille butte tirait sa robe verte, nous nous épousions dans les foins, sans mère, sans noce, sans mère, sans noce, sans témoin à Montmerte. Depuis nous avons des marmots, des petites jumelles, des petits jumeaux qui feront certes des petits poiriers qui grandiront, qui produiront et qui mourront à Montmerte. Malgré que je sois un roturier et le dernier des fils d'un poirier de la rue Berthe, depuis les temps les plus anciens, nous habitons, moi et les miens, à Montmerte.